Comment devenir en 2 minutes 30 maître du web, en anglais webmaster? Sébastien nous dit tout. Comment fonctionne le mécanisme des bases de données relationnelles? Ça vous rappelle quelque chose ici? Oui, pas mal de souvenirs. Le cours de Jean-Marie, tout ce qui m'a servi après. Et alors, qu'avez-vous appris? On voit tous les aspects du métier webmaster, mais surtout conception, création de pages internet et ergonomie, comment faire en sorte que ça soit facile à utiliser. Ensuite? Ensuite, on voit toute une partie plus système, matériel, comment on installe les matériaux nécessaires à ce qu'un site internet soit accessible. Comment on les configure au niveau logiciel. Quoi encore? Ce qui va être programmation, ce qui va permettre de stocker des informations et pouvoir les restituer en fonction de ce qu'a pu demander l'internaute. Bref, le webmaster définit les rubriques, l'animation, l'hébergement et le référencement d'un site, participe à la mise au point de la charte graphique et réalise les pages web. Webmaster, c'est un travail technique, Sylvie? Non, c'est un métier qui demande à être très ouvert sur le monde. On demande aux jeunes qu'ils aient surtout une bonne culture générale, un goût prononcé pour les nouvelles technologies, mais pas forcément des profils scientifiques. Alors, que fait le webmaster, Sébastien? J'ai fait des sites pour des clients, c'est essentiellement de la PME, petite et moyenne entreprise. J'ai conçu des systèmes pour mettre à jour les sites. C'est un beau métier? Oui, c'est un beau métier, c'est quelque chose que je ne savais pas si je pourrais l'espérer à mon âge. J'ai 22 ans. Donc, je pensais qu'il me faudrait plus de temps pour arriver à une situation où on peut faire entièrement ce qu'on aime. Oui, Sylvie? Je pense que quelqu'un qui est passionné par les nouvelles technologies, qui est passionné par tout ce côté créatif et multimédia, peut effectivement en faire son métier. C'est quoi, en fait, un système de gestion de données relationnelles? C'est un outil spécialisé. Le mot de la fin, Sébastien. J'ai poursuivi mon projet de fin d'études pour le mener à son terme. Un projet de cobaye d'écriture, ça sort sûrement du cadre, mais moi je dessine et j'aimerais pouvoir après vivre de ça. Sinon, Sébastien pourra toujours devenir directeur technique ou artistique, ou encore chef de projet.